Bonjour, voici le puzzle de Dudonné qui, à partir d'un triangle, permet de réaliser un carré parfait. Pour réaliser ce puzzle, tu as besoin d'une feuille A4, éventuellement cartonnée, le puzzle sera plus solide, et tu commences par la plier en deux dans le sens de la longueur. Ensuite, tu vas prendre le coin en bas à droite que tu vas ramener sur la trace de pliage précédente, bien pile sur la trace de pliage. De cette façon-là, tu réalises un nouveau pliage. Grâce à ce nouveau pliage, tu vas pouvoir obtenir un côté de ton futur triangle. Tu le traces et tu poursuis, cette fois-ci en reliant donc le coin en bas à droite avec le sommet qui se trouve donc sur la trace de pliage. Et voilà ton triangle, il ne reste plus qu'à le découper. On va poursuivre notre puzzle en ramenant les trois sommets sur le pied du premier pliage. On commence par celui qui est en haut, qu'on ramène donc sur le pied du premier pliage. Puis de la même manière, on va ramener celui de gauche et celui de droite. Et ainsi, on va former un rectangle. On obtient ainsi un rectangle qui est parfaitement inscrit dans notre triangle. On poursuit en traçant maintenant au crayon à papier une diagonale de notre rectangle. Et on poursuit en construisant une perpendiculaire à la diagonale qui passe par un sommet de notre rectangle. On fait la même chose de l'autre côté de la diagonale en construisant une nouvelle perpendiculaire à cette diagonale passant donc par un sommet de notre rectangle. Et voilà, notre puzzle est terminé. On obtient les 4 pièces de notre puzzle de Dudonné. Alors, avant de continuer, je propose de décorer un tout petit peu le puzzle et tu vas voir, on va avoir une petite surprise à la fin. Alors, je dessine un cœur, donc un cœur qui traverse les 4 pièces de notre puzzle. Voilà. On peut le mettre également en couleur. J'ai rajouté également 3 petites décorations à gauche et à droite. Et maintenant, on va pouvoir découper notre puzzle en 4 pièces. Voilà, notre puzzle est réalisé, je le replace dans la position de départ, donc celle du triangle. Il ne reste juste qu'à faire pivoter les pièces pour obtenir notre carré et la petite surprise à la fin. Voilà, tu vois, c'est très facile. Cette séquence est terminée. À toi maintenant de réaliser ton propre puzzle de Dudonné.